Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle info flash Bartolo. Aujourd'hui, petit tuto, on va apprendre où se placer quand on va voir une pièce de théâtre. Déjà, mettez-vous face à la scène parce que si vous vous mettez dos à la scène, vous ne verrez rien. Après, c'est un peu comme vous voulez. Certains préfèrent être éloignés pour avoir une vue d'ensemble. D'autres préfèrent être très proches pour bien voir tous les détails des visages des comédiens. Mais si vous hésitez, sachez qu'il existe une place qui est meilleure que toutes les autres, l'œil du prince. Concrètement, dans une salle de spectacle, l'œil du prince désigne l'angle de vue qui va permettre de voir le décor sans que celui-ci ne paraisse déformé. En gros, c'est la place où l'on est le plus en face. Celle où l'on voit la scène de façon la plus symétrique. Il y a autant de scènes à gauche qu'à droite. C'est donc la place où l'on voit le mieux le spectacle. Et donc la place que choisit le metteur en scène pendant les répétitions. Clin d'œil du prince. Mais alors, il est où cet œil du prince? Très précisément à 0,60 mètres au-dessus de la scène sur l'axe central. Ou, pour ceux qui n'ont pas le compas dans l'œil et qui voudraient trouver cette place en un clin d'œil, celle-ci se situe vers le 7e rang au centre de la rangée. Voilà, la prochaine fois que vous irez voir un spectacle, vous pourrez choisir votre place. Les yeux fermés! Bon, vous avez eu ce conseil à l'œil, mais vous pouvez toujours vous abonner pour nous garder à l'œil. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ou un commentaire et de partager la vidéo. Ça fait plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle info flash Bartolo. Salut !